AJAP, c'est un booster de croissance pour les jeunes adultes. Tout simplement parce que pour moi, c'est un message qui est adapté à ce qu'on peut vivre en tant que jeune. Et aussi un message qui colle avec le quotidien et avec l'actualité. Toute la semaine, on est à Paris, on fait notre vie. Et on est toujours encouragé dans nos choix, dans la manière de laquelle on réfléchit à notre vie, à réfléchir en termes humains, la sagesse humaine. Donc par exemple, j'avais cette année beaucoup de choix à faire. Et je suis toujours encouragée autour de moi à réfléchir, est-ce que c'est faisable, est-ce que j'ai la capacité de le faire, est-ce que financièrement c'est possible, est-ce que mes compétences intellectuelles vont me le permettre. Et on est toujours dans cette dynamique et on essaie de vivre notre vie avec Dieu, et donc Dieu me met des défis. Et ce qui est vraiment super agréable, c'est qu'on nous encourage à avoir une autre vision sur la vie, et les messages, ça nous permet vraiment de réfléchir en termes de sagesse de Dieu et les plans que Dieu nous a donnés. Et c'est des messages qui viennent vraiment nous encourager à nous accrocher à cette vision de notre vie, du monde. L'enseignement qui m'a beaucoup marqué, c'était l'enseignement sur la recherche du jardin d'Éden. Ça m'a permis de comprendre que Dieu est celui qui est le Dieu des commencements. C'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin d'entendre, de savoir, parce que ça contribuait un peu à répondre à un certain nombre de questionnements que j'avais déjà au fond de moi. Je me souviens de mon premier week-end JAP, pour donner un exemple, où j'étais dans une situation personnelle où je me sentais pas le meilleur, je me sentais pas le plus beau, et je me suis vraiment remis en question par rapport même à ma vie. Et l'enseignement de ce week-end m'avait vraiment bouleversé, parce que je me suis rendu compte, ou rappelé tout simplement, de l'amour de Dieu pour ma vie, que c'était quelque chose qui n'était pas en fonction des circonstances, mais qui était quelque chose de constant. Et pour moi, ça a bouleversé cette période de ma vie, et ça a fait que j'ai fait un bond en avant dans ma croissance. Je devais faire un choix important, et autour de moi c'était beaucoup, c'est très très dur, tu vas pas y arriver. Et le pasteur de JAP prêchait sur les défis de Néhémie, et il disait comment on ne peut pas réfléchir à la tâche si c'est trop difficile pour nous, si il va y avoir trop de difficultés. Il faut qu'on se demande est-ce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie ou pas. Et dans cette perspective, du coup, on voit les choses différemment. On se demande plus est-ce que moi je vais y arriver ou pas, on se demande est-ce que Dieu m'appelle à faire ça, et on sait qu'il nous donnera les forces, qu'il nous aidera sur le chemin. Et c'est très encourageant de venir dans un groupe où justement on est continuellement poussé à se rediriger vers Dieu, et non pas à réfléchir comme on voudrait qu'on réfléchisse. Ce que j'ai toujours aimé dans les enseignements des jeunes adultes, c'est que les choses sont dites, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, mais qui sont énoncées clairement du haut de l'estrade, que ce soit des bonnes choses pour encourager ou des choses qui peuvent peut-être un peu plus heurter, mais qui sont indispensables si on veut grandir dans notre foi avec Dieu. Dieu utilise l'enseignement à JAP pour continuer à grandir les choses qui me sont au cœur.